Bonjour. On va parler de transformer ses dons en argent. C'est la monétisation, monétiser ses dons. Beaucoup d'entre vous, vous avez des dons, vous avez des rêves. Mais le souci que vous avez, c'est que vous n'arrivez pas à vous faire de l'argent avec vos dons. Et quand vous voyez les gens qui le font, généralement, ça vous énerve. Ne sais pas pourquoi. Sonne d'abord la fabuleuse cloche. Voilà. La monétisation des dons est très importante parce que nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux. Tout le monde a une page. Tout le monde a une page. Parce que la preuve, c'est que pour me suivre, pour suivre ce direct, tu as besoin de te connecter sur un compte. Et je sais que beaucoup d'entre vous, certains ont ralenti ou encore remis à demain l'apprentissage de comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Sachez que quels que soient les dons que vous avez, vous savez, en ligne aujourd'hui, on fait tout. Il y a des chaînes où les gens se mettent, ils comptent les grains de riz. Vous avez déjà vu ça sur TikTok, non? Un père de 20 ans, de 40 ans se lève. Il vient en ligne, il compte les grains de riz. Et quand il compte comme ça, les gens viennent payer, hein. On paye pour cela. Je sais que vous allez dire peut-être que c'est quoi ça. Il y en a qui font les ASMR là. Les trucs qui te font dormir là. Ils mangent des choses, ils font des trucs comme ça avec leur bouche. Ils font des bruits bizarres pour faire dormir les gens. Et je suis sûre que ils se font de l'argent avec ça. Donc ceux qui sont intéressés, bonjour Jojo, ceux qui sont intéressés pour aller plus profondément, vous pouvez me contacter, j'ai des formations là-dessus. Non, ça c'est dans le cadre où tu veux vraiment transformer ce que tu as, que les gens disent « waouh, mais attends, tu fais bien ça ». Ça c'est dans le cadre où tu veux transformer ça en argent. Donc, si à la fin de ce que je vais dire ici, là, si ça t'intéresse, voilà. Sinon, tu peux continuer à faire ton boulot que tu fais d'habitude. Non, c'est pas. Ok, donc ce qui se passe, c'est quoi? Avant, moi je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, j'ai quitté le Cameroun quand j'avais 18 ans et demi. Donc j'avais 19 ans, je venais d'avoir 19 ans. Et ce que j'avais remarqué au Cameroun, c'était que à l'époque, il y a de cela 15 ans au Cameroun, si tu n'avais pas, si tu ne connaissais pas, petit oiseau, tu connais ma fenêtre? Sérieux? Attendez, il y a un oiseau qui cogne à ma fenêtre. Il est sérieux. Hein? Bonjour! Ben, reviens plus tard! Hé! Hey! Non, attends, il est sérieux là! Il veut carrément entrer, hein? Déjà, ouvre la porte, ouvre la porte. Monsieur l'oiseau! Oh, this is funny. Donc, je vais aller ouvrir, je vais voir s'il va entrer. On va voir s'il va entrer. Ok, une minute. Si je vois que tu entres, si tu n'entres pas, comment on va être? Entre. Ah, tu fais. Vous voyez.
bravo, sorcière. You're kidding. You're joking. Okay. Bon, continuons. À l'époque au Cameroun, on rappelle, je grandissais, je dis souvent que j'ai grandi à Tonga. Et le truc, c'est que en grandissant, il y avait ce sentiment d'impuissance qu'on avait. On se disait, si tu ne connais pas quelqu'un, même si tu finis tes études, tu ne peux pas travailler quelque part de bien parce que, voilà, tu ne connais personne. Et une autre chose, c'était que tu dois connaître quelqu'un dans un ministère pour qu'on te fasse passer à la télé. Tu dois connaître quelqu'un. Donc, on avait ce sentiment d'impuissance. Ce qui fait que beaucoup de personnes sur la terre ont émis le désir d'être aussi connues. Aujourd'hui, c'est la télé qui vient chercher les stars, les influenceurs sur les réseaux sociaux pour les amener à la télé. Alors qu'avant, il fallait connaître quelqu'un ou il fallait avoir... Vous savez comment c'était avant. Et on a grandi, nos parents, donc on va dire la génération des 50 ans, je ne sais pas, 60, 50 ans, donc entre 40 et 60 ans, peut-être même 70, c'était ça leur génération. Maintenant, nous, notre génération, je pense qu'on a émis trop de désir de changer. Ce qui fait que des gens comme Mark Zuckerberg, ils ont levé, ils ont fait Facebook. Le monsieur de TikTok, là, je ne connais pas son nom, hein. J'utilise ses réseaux, mais je ne connais pas son nom. Le monsieur de TikTok aussi, ils ont fait des réseaux, donc il y en a qui arrivent encore. Et ici, on donne le pouvoir à celui qui a le téléphone dans sa main. Avant, tu avais besoin des caméras d'au moins 1 million pour pouvoir faire des films. Maintenant, tu as le téléphone de 100 000 dans ta main, même 60 000. Si tu es discipliné et tu as la vision. Si tu es discipliné et tu as la vision, même ce que j'ai appris dans mes formations avant, votre problème c'est que vous n'êtes pas discipliné. C'est pour ça qu'elle donne même les stratégies. Vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui va venir faire pour vous. Donc, les dons qu'on a aujourd'hui, médium, lecture de cartes, prophétie, pasteur, voyez tous les domaines, les religions là. Toutes ces religions sont en ligne. Avant, c'était là. Zhang Yiming Propio. Désolé, je ne me moque pas de ton nom. Ok. C'est que si tu lis mon nom, tu vas lire que quoi, tu vas dire que Zhang Yiming Propio, bonjour monsieur, je respecte ton nom, d'accord, ok. Donc, tous ces dons existaient, ça fait 50 ans, 100, 200 ans. Mais les gens qui exerçaient cela le faisaient à une échelle réduite. Bonjour Florent. Il le faisait à une échelle réduite. Supposons même les magnes ici. Maintenant, il y a les magnes ici en ligne. Après, j'ai une maman là que je connais, elle a au moins 45 ans ou 50 ans, elle est au Cameroun, elle fait toujours ça aussi. Elle est en ligne. Quand elle poste les vidéos, je ris souvent. Elle m'amuse beaucoup.
prio de TikTok, ok, Zang, d'accord. Et maintenant que la balle est passée de l'impuissance de oh, j'ai mes produits à la maison que je veux vendre, je dois aller payer Facebook. Si tu sais comment manipuler TikTok, tu n'as pas besoin de payer Facebook. Parce que c'est. Il faut avoir le bon mindset. La vente, c'est un art. Pour vendre, on ne vient pas avec son produit tous les jours. Attendez, je vais prendre un de mes produits ici, je vais essayer de vous vendre ça. Voilà, c'est la reine Jocelyne. Achetez l'huile mille faveurs. Achetez, hein. Vous voyez l'huile mille faveurs, il faut acheter, ça va vous aider. Achetez, achetez, achetez. Ce n'est pas ça la stratégie pour vendre. Ou bien en faisant le direct, je mets l'huile ici derrière moi comme ça. Monsieur, je fais mon direct tous les matins et je suis en train de faire mon commerce, papa. Donc je finis avant de te contacter. Je suis businesswoman, mon frère. Tu m'appelles à 7 h, même si tu es mon amoureux. You cannot reach me. Oh, test him. Oh, you are. Donc, supposons que je fais email cela. Après, je dis, achetez-lui une faveur. C'est pas ça la stratégie du commerce. Il y a le commerce à petite échelle, il y a le commerce à grande échelle. Dans les cours que j'ai fait pour ceux qui veulent approfondir ceci. Je vous montre comment construire, comment faire du branding. Le branding, ça veut dire que tu construis ta marque. Ça prend du temps. Ce que je, vous voyez comme je vends mes produits aujourd'hui, j'ai pris au moins 5 ans. Et je suis encore en train de continuer. Donc, tu dois commencer d'abord avec la vision de départ. Et cette vision ne doit pas être petite. Elle doit être grande. Donc, aujourd'hui, je ne vais toucher qu'un des aspects. Je ne parlerai pas de la vente, mais je vais toucher sur les dons. Parce que tu peux être doué, mais tu ne sais pas vendre tes dons. C'est comme un web, c'est comme une toile d'araignée. Il y a plusieurs aspects sur ça. Aujourd'hui, je vais m'attarder que sur la partie des dons. Et l'autre jour, vous savez que le mois passé, le 1er juin, on a fait un atelier. Comment monétiser ses dons? On a fait un atelier comme ça à Douala. Et j'ai enseigné aux gens là, je leur ai dit que l'atelier qu'on est en train de faire, c'est juste une partie. Ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Ma chérie, si tu ne prends pas du temps à partir de maintenant pour apprendre à monétiser tes dons, dans 5 ans, tu seras au même endroit. I'm just saying. Lors de la dernière formation, j'ai même posé les questions bêtes. Mais je dirais que depuis cette formation, je me suis beaucoup enrichi en connaissances dans le spirituel. Même vous écouter tous les jours, l'engouement est au top. Je suis engagé dans le jeûne de 40 jours. Zao, je vous avais bien dit pendant cette formation que mon but, c'est que vous puissiez, dans la pièce ce jour-là, c'est vrai qu'il y avait des femmes qui monétisaient déjà leurs dons. Il y avait des personnes qui vendent, donc elles avaient déjà des clients. Et supposons, tu es peut-être, il y a une particulièrement, elle est enseignante. Quel est le salaire moyen d'un enseignant au Cameroun? Les enseignants ont fait souvent 3 ans sans vous payer là. Je ne sais pas comment vous vivez. On fait 3 ans, on ne vous paye pas. Vous partez encore. En tout cas, moi, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je ne vais pas vous attaquer. Tu dois construire ta marque. Tu dois avoir une stratégie d'approche. Donc, généralement, quand tu commences, tu penses à te mettre sur les réseaux sociaux. Je vais un peu vous faire un squelette. Premièrement, tu dois apprendre à parler. Ah, c'est la bête noire des gens. La oratoire. Il y en a qui vous avez peur de la caméra jusqu'à. Il dit que. On te met. Yay! Deuxièmement, tu dois vaincre ta peur. Tu dois vaincre ta peur.
Troisièmement, tu dois façonner ce que tu as en tant que produit. Tu peux être doué, mais tu ne vends pas. Donc, tu dois façonner tes produits. C'est beaucoup, hein? En numéro 4, tu dois avoir du matériel. Comme vous êtes chi. Quand tu as l'argent, tu peux acheter les coupes de jupe là. L'argent, c'est pour acheter les Louis Vuitton. Le matériel. Tu vas acheter le matériel parce que ta part va venir. Et après, ça devient une habitude. Je me rappelle en 2019, quand le coach William me coachait. Coach William Jamel. À l'époque, pour moi, pour sortir 500 000 ou bien 1 000 euros, 600, quelque chose de 1 000 là, pour acheter un matériel, il dit, ah! Quand il me coachait, hey! J'avais payé la séance à 1 heure avec lui, j'avais payé 1 heure à 500 euros. Bon, finalement, tout ce que j'ai payé, 1 heure m'est revenu presque à 650 euros. On a fait 3 heures. J'ai dit, mais j'ai sué pour payer les heures que j'ai fait avec toi. Maintenant, tu me sors le matériel de presque 5000 euros que je dois acheter. Il dit, oui, tu dois acheter les bonnes caméras, tu dois faire ici. J'ai dit que, ok, coach. Pardon. Si tu n'apprends pas à progressivement investir, mon premier téléphone que j'ai acheté, jusqu'à je savais que j'ai investi sur mon matériel, c'était en 2016. C'était un Samsung J5 comme ça là. Moi, j'ai coûté 125 pounds. Avant, j'avais toujours le téléphone. Souvent, de me... soit j'attendais qu'un gars m'offre le téléphone. Quand j'étais fatigué d'être jeté de relation en relation, pas que j'étais, mais bon, j'avais l'impression que je sortais avec des gens qui ne comprenaient pas ma vision. Et même s'ils comprenaient, ils n'étaient pas prêts à se discipliner. Parce que quand tu sors avec quelqu'un qui n'est pas visionnaire, je suis désolé, il va te tirer un peu vers son côté. Je n'ai pas dit qu'il est en bas, tu es en haut. Hein. Mais toi, vous êtes quelque part, tu veux monter. Lui, il est là, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Parce que pour monter, ça demande des habitudes quotidiennes. Donc, il y a la discipline aussi. Tu dois te discipliner. Tu dois développer une discipline intense. Je pense que ça, c'est l'un des éléments les plus durs. Tu dois beaucoup te discipliner. Beaucoup. Éditer les vidéos quand tu ne veux pas. Ouais. Éditer quand tu ne veux pas, faire les directs quand tu n'en as absolument pas envie. Oui, c'est ça. Poster régulièrement, c'est ça qui tue vos chaînes. Vous n'arrivez pas à poster régulièrement. Donc quand j'étais fatigué d'être dans les relations où je me plains toujours, je me fâche, il dit oui, je vais changer. Le lendemain, quand tu reviens à 5h30, tu vas aller courir, tu vas aller faire ton sport, voilà, où tu veux poster tes vidéos. C'est là qu'il commence à te toucher. Mais si je voulais faire l'amour, j'allais faire l'amour à 4h30. Parce qu'à 5h, tu sais que je me lève pour aller travailler. Quelque part, c'est un peu... J'ai remarqué que quand tu as décidé de monétiser tes dons, quelque part au début, c'est comme si tu as choisi entre une relation amoureuse et ta carrière. Parce que ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps. Et si tu n'as pas un partenaire qui est compréhensif et qui lui-même est concentré sur ce qu'il a à faire, parfois ton partenaire lui-même il dit qu'il veut monter, hein. il veut monter, mais il te dit bien je veux, tu dis ok chérie, demain on se réveille à 5h, il dit oui, demain tu es debout, tu es devant la porte comme ça là, tu t'échauffes, tu l'attends, tu es comme ça là. Tu l'appelles, Eric. Tu ouvres la porte. Eric dort. C'est ce que tu traverses en ce moment où vous disputez tout le temps. Quand je regarde mes prestations des années antérieures, c'est tellement flou. Mais cette année, j'ai utilisé toutes mes économies pour acheter un téléphone cher. On m'a pris pour une idiote. Oui. iPhone 14, 18, 15, tout ça là. Je peux les acheter maintenant parce que chaque fois que je décide d'investir sur un équipement, je me dis toujours cette chose-là doit me rentabiliser. Cette chose-là doit me donner un rendement dans les
Maximum 8 jours. Pas 8 semaines, 8 jours. Si je sors 100 000 pour acheter quelque chose, je dois avoir les 100 000 là dans 4 jours. Donc, il y a un mindset. Il y a un mindset sur ce business-ci. Il y a un mindset dessus. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est juste l'aperçu de la formation. J'ai besoin de mettre, je veux mettre cette formation à votre disposition. Vous allez regarder. Je veux que tu fasses, enferme-toi à la maison un mois, tu regardes ça tous les jours. Tous les jours. Voilà. Bonjour, adieu, merci. Maintenant, à part tes dons qui sont là, que tu as, je suis en train de dire ceci, tu dois te discipliner. Je vais résumer parce que j'ai dit, tu dois apprendre à parler, l'art oratoire. Learn how to speak. Tu dois vaincre ta peur et te demander pourquoi. Je veux faire ce que je veux faire. Si ta vision de devant n'est pas plus forte, si tu ne te vois pas avec 100 000 abonnés, et tu peux avoir 100 000 abonnés sans argent à côté, hein, si tu ne te vois pas avec 100 000 abonnés et en plus avec au moins 5 millions par mois, c'est-à-dire presque 7 000 euros par mois, tu dois avoir la vision. You need to be a visionary. Ce que tu vas abandonner. Parce que l'ennemi vous fait peur à tout moment. L'ennemi est là pour vous faire peur. Ok, voici une question. Donner du temps à un foyer qu'on veut bien fonder et donner du temps à une activité qui peut devenir ton gagne-pain. Lequel des deux il faut accorder assez de temps? La vie, c'est le choix. Quelqu'un a dit que la vie, c'est la chance. La vie, c'est le choix. Tu peux décider de te mettre sur le business, après, ça ne donne pas. Ça ne donne pas parce que tu as abandonné. Tout dans ta vie qui n'aboutit pas, c'est seulement parce que tu as abandonné. Tu peux donner du temps sur ton foyer et ton mariage. À la fin, ça ne donne pas. Tu comprends, ma chérie? C'est ça que tu veux que tu te dises que non, laisse d'abord, tu fais d'abord ton foyer. Non, non. Deux mains attachées, mieux un paquet. Tu dis que les deux vont ensemble. Ça, c'est déjà la personne que tu vas vouloir. Regardez. Je vais prendre un peu le côté relationnel. Hier, j'ai une dame qui a déjà fait au moins 20 ans de mariage. Si ce n'est peut-être 14 ans de mariage. 14 ou 20, je ne connais pas précisément. Mais elle a dépassé 40 ans déjà. Et là, elle ressent que sa mission de vie est en train de remonter. Ça l'appelle énormément. Et son mari, ils ont une discussion, je ne vais pas appeler ça dispute, ils ont une discussion, ça fait quelques jours, son mari lui dit, voilà, si moi je savais que tu n'allais pas abandonner telle chose ou telle chose, moi je t'aurais pas épousé. Parce qu'il veut qu'elle abandonne certaines croyances, ses affaires de mission de vie, c'est là, ses affaires de choisir, qu'elle dit qu'elle est choisie, ses affaires qu'elle dit qu'elle va aider les gens, il veut qu'elle ait ça. Certains de vos partenaires seront très clairs avec vous. Je veux que tu laisses. Parce que quand tu te donnes sincèrement, à un moment, ça commence à donner. C'est maintenant qu'on me connaît sur les réseaux sociaux. Mais j'ai au moins fait 6 ans que je faisais des vidéos. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 ans. 7 ans. 7. Et à chaque fois, j'avais toujours
C'est l'autre jour que j'ai regardé mes premières vidéos, je les ai supprimées. Je vais regarder maintenant sur Facebook, je vais chercher mes premières vidéos, j'interviewais les gens. Je me rappelle, j'étais partie en Belgique interviewer quelqu'un. J'avais payé le ticket de. Il y avait Ryanair, je pense. À l'époque, on payait le ticket de. J'ai quitté de Birmingham en Angleterre, je suis allée en Belgique, j'avais payé 25 pounds. Ça, c'est en 2016. Certaines choses viennent au prix de certaines choses. Et quand il ne te soutient pas, tu vas sentir. Tu organises le temps, tu lui as donné son temps. Maintenant, tu dis que, OK, je dois aller maintenant apprendre à éditer mes vidéos. Je dois aller poster. Je dois voyager peut-être pour une conférence que je dois donner. Parce que tu dois absolument être avec quelqu'un qui lui aussi est en train de s'épanouir. Parce que quand tu vas poursuivre tellement tes rêves, ça va commencer à donner. Ça va attirer. Je ne vais pas appeler ça jalousie, mais c'est la jalousie, maman. J'essaie de trouver un autre mot. Un homme peut t'aimer, mais il est jaloux de ton succès. Il t'aimait parce qu'il sait qu'il aurait pu aussi pousser sur sa part et ça donne quelque chose. Du coup, pour essayer de te toucher un peu, parce que quand ta mission de vie commence à bien donner, ça commence à prospérer, les gens commencent à t'apprécier. Les gens commencent à revenir maintenant vers toi. Merci beaucoup, Reine. Merci, Madame Si. Merci vraiment. Regarde comment tu m'as aidé. Depuis que j'ai suivi ton programme de Ceci, j'ai acheté ton huile minceur, ton programme minceur. Oui, tu as fait 40 jours pour maigrir. Et vraiment, vraiment, merci. Il entend ça. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, ne confondez pas. Quelqu'un peut t'aimer, mais il te fait du mal. Ah. Le goût amer de ça dans ma bouche jusqu'à. Quelqu'un peut t'aimer. Tu sais que l'homme s'y met pas. Souvent, quand quelqu'un homme t'aime, il te tape, non? N'est-ce pas? Je ne sais pas mon nom, pourquoi. Tu sais que l'homme s'y met. Et au Kuma. Et certaines femmes ont la capacité de vraiment beaucoup se discipliner. Ok, mais ton âge à un moment ne te permettra plus. Et l'homme ne sera toujours pas là pour t'attendre. Mais pourtant, avec son peu, vous pouvez mieux faire. Et ton expérience aussi. Mani, tout c'est le choix. Si tu veux choisir ton mariage, je ne suis pas en train de te demander d'arrêter ton mariage, maman. Ne viens pas sur Facebook, tu dis que c'est moi qui te demande de quitter ton mari. Tu me suis, Mani. Bon, tu dis que c'est rare, l'amour vrai ne fait aucun mal. Dora, je crois que tu es encore chez Dora l'exploratrice. Tu es encore au pays des merveilles. Elle ne croit pas en moi et elle a l'impression que je veux qu'elle reste fauchée. Vous savez que vous ne communiquez pas bien. Dora, quand un homme te fait du mal, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Mais il y a des personnes que vous savez que, surtout les Africains, on a grandi avec on a beaucoup de douleurs dans notre cœur. Donc quelqu'un t'aime, mais il veut te dominer. Et quand il veut te dominer, ça ne marche pas. Il veut te détruire. Mais il t'aime. L'amour est compliqué. C'est comme un labyrinthe. Tu entres dedans, tu vois que mais ça, il y a 100 voies pour décommencer. Le labyrinthe, généralement, a une seule voie. Donc, quand tu entres maintenant, tu te perds à l'intérieur. Oui. L'amour vrai fait souvent plus mal. Il y a des blessures internes qui apparaissent. Oui. L'amour ne fait aucun mal. C'est nos amours, là, qu'on croit que c'est de l'amour. C'est de la manipulation, de la méchanceté.
Regardez. Quand tu vas commencer, tu as fait 3 ans avec un homme, il n'a jamais cru en toi. Tu as décidé de vivre séparé avec lui. Toujours les promesses. Effectivement, il y a parfois des hommes qui ont toujours des promesses. Il promet, il veut bien. L'esprit veut, mais la chair est faible. Est-ce que tu vas alors te laisser affaiblir par ce genre de personne? Et quand c'est comme ça, parfois c'est un peu tard parce que toi-même, la femme, tu t'es déjà liée d'amour. Ton âme est déjà liée à la sienne. C'est comme ça qu'il te marie, il te marie. Je vais changer, bébé. Demain, il fait la même chose. Bébé, je veux commencer demain. Demain, il te dit, je veux commencer demain. Est-ce que tu vas rester à attendre qu'il commence demain? Changer déjà soi-même, c'est très difficile. Maintenant, si tu dois changer toi et changer encore quelqu'un, vois un peu comme quelqu'un qui essaie de s'envoler, non? Tu es en train d'apprendre à voler. Tu fais papa, 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 papa. Tu es en train d'essayer. Vois quelqu'un là-bas, il fait. Tu dis, tape même les ailes, non? Il fait. Même les ailes, non? Regarde comment il fait, papa. Fais comme ça là. Personnellement, parce que je suis quelqu'un que dans mes relations, c'est toujours plein que je suis trop. Je suis trop forceful. Que je suis trop imposante. Force, que je force trop. Le changement ne vient pas avec la douceur. Mamie, pour avancer, tu dois te faire violence. Tu fais un post par jour, commence à faire 10 posts par jour, tu vas voir. Tu fais 20 minutes de vidéo, commence à faire 5 heures de vidéo par jour, tu vas voir. Le changement, c'est l'énergie que tu mets qui va sortir. Je vous parle souvent l'analogie de la machine à écraser, non? Quand tu partais au quartier pour écraser la nourriture, là, on aime le tout, ça fait. Ok. Prends un grain d'haricot, tu l'entres dedans. Tac. Rien ne va sortir. Prends 5 grains, tu mets. Tac. Prends un demi-verre. Un peu va sortir. Prends un seau, tu verses. C'est seulement question de temps pour que tu vois l'équivalent d'un seau qui sort, non? N'est-ce pas? Soyez très intelligent. On ne change pas un homme, mais on lui fixe un nouveau cap. Lui-même changera pour l'atteindre. La clinique de cheveux, bonjour et merci pour ton intervention. Ok. Le problème de nos hommes, c'est que tu lui fixes le cap, il croit que tu veux le dominer. Parce que nos hommes ne sont pas assez humbles pour aller chercher de l'aide. C'est rare de voir un homme qui va dire que je ne vais pas chercher le coach qui m'aide dans telle partie de ma vie. Mais je vais voir la femme, ça sera facile pour elle de dire, ok, je vais payer pour que telle personne m'aide. Ah, elle va me dominer. Hein? Maintenant, c'est toi que tu portes le pantalon de cette maison. Chérie, viens, on planifie ta journée. Bon, demain, alors, tu commences à quelle heure? Tu fais d'abord ça avant de faire ça, avant de faire ça, non. C'est ce qu'un coach fait. C'est le rôle de la femme de bâtir un homme. Il faudrait que l'homme se laisse bâtir. Continue, clinique de cheveux. Je sais que tu es. C'est un homme qui a envie de commenter. Et le truc, c'est que quand tu es tellement concentré à essayer de construire quelqu'un d'autre, il y a même des relations où il veut toujours être celui qui est au-dessus. C'est-à-dire, si toi, supposons que vous faites la même classe, vous avez les mêmes examens à passer. Tu dis, venez, viens, viens, on étudie. Oh, fais mes devoirs pour moi, non. Fais, non. Viens, on étudie. Oh. Je ne dis pas qu'il y a aussi des femmes que c'est le contraire. Hein. C'est plutôt l'homme qui pousse la femme fatiguée, elle ne veut pas. Viens, ah, finalement, toi-même, la femme, tu as peur que si je pars, j'étudie, je passe, et mes grades dépassent pour lui,
Il va se sentir mal. Du coup, tu deviens médiocre parce que tu ne veux pas être au-dessus de lui, financièrement même. Financièrement même. Il y a parfois des foyers où tu sais que la femme elle a une façon, Dieu a donné une capacité à la femme de réfléchir. Tac, 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 tac. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Il y a un milliardaire de chez nous. Je ne donnais pas, je ne vais pas dire dans quelle industrie il est. Un jour, sa femme arrive. Je ne savais même pas que c'est sa femme. Elle garde sa voiture. Elle vient s'asseoir chez moi. Elle attend. Elle attend. Parfois, je suis très occupée. Et parfois, je reçois beaucoup d'eau. Elle a attendu 4 heures de temps. Quand elle entre, elle me dit, je suis la femme de tel. Et là, elle me raconte comment ça fait 20 ans. C'est elle qui l'a aidé à construire. Elle a mis des systèmes en place. Car avant, ses collègues voulaient beaucoup, ses associés voulaient beaucoup. Elle a mis des systèmes de contrôle pour qu'on ne vole plus l'argent, que les choses ne sortent plus de l'usine, ceci, cela. Et après, c'était un genre de papa que il n'était pas trop présent. Donc, elle a commencé à sortir avec un jeune. Donc, elle avait un petit de côté là qui faisait souvent, qui l'aidait souvent à, tu vois, non, à être en forme. Je ne dis pas que lui aussi n'avait pas. Le jour où il a découvert que sa femme là, c'était fini. Et elle était tellement down. Elle dit que maintenant qu'il a mis tout en place, il m'a renvoyé. Maintenant qu'il est indépendant. Tout porte le nom de l'homme. Je dis à la femme là que mamie, tu me dis que pendant 19 ans, tu sais exactement comment on quitte de rien. On construit une entreprise et on amène ça dans les milliards. Tu as besoin de lui, pourquoi? Elle dit que même les crédits bancaires au départ, c'est elle qui montait le dossier. Que toutes les banques la connaissent. Mais sur les papiers, elle dit, mais ma chérie, crée une entreprise. Les mêmes banquiers que tu connais là savent que tu es la femme de. Et sur les papiers, ils sont encore mariés. Parce que ça fait 4 ans qu'il a découvert ça. Même la ration qu'il donnait, il ne donne plus. Il a enlevé de l'entreprise, il n'a plus de salaire, rien. Quand il veut donner l'argent, c'est seulement le juste, donc seulement l'argent. Il donne à un enfant qu'on va donner, c'est l'argent de la nature pour aujourd'hui. Donc il veut seulement l'écraser. Elle a arrêté de demander pardon au nom et il ne veut pas savoir. Je me suis dit que celui qui a même seulement profité de ça pour légaliser même cette chisa. Tu sais que quand tu as construit quelque chose avec quelqu'un, à un moment, tu peux pas seulement l'enlever comme ça. Il te faut une excuse. Je sais que tu es un homme, papa, je sais. Quand j'ai vu ton commentaire, c'est que ça, c'est un homme qui parle. Pourquoi elle a été infidèle? Le truc, c'est qu'on a toujours dit que la femme n'a pas droit à l'erreur. L'homme va faire quelque chose. Sûr que l'homme là, quand il voit la statue de l'homme, sûr que c'est quelqu'un que les tisans ne le laissaient pas. Je suis sûr. Mais comme elle a fait une fois, on l'a attrapé là. C'est bon. On détruit ta vie. Je ne vais pas m'éloigner de mon sujet. La tenue du cheveu, je vais te laisser monter, mais. Quand tu as fini de parler, je vais rester sur le sujet de ce que j'avais commencé. Donc, je vais voir si tu as fait la demande. J'ai accepté. Je vais voir ça prendre. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Très bien. Essaie de mettre le volume pour que ça donne. Non, super. Je vais déjà tout de suite dire, un homme, c'est la femme qui le crée. C'est la femme qui l'accouche, je veux dire. Ta femme accouche, elle lave, elle éduque, elle nourrit et tout. Ça, ce n'est même pas à discuter. Lorsque la femme n'est pas là, par la suite, c'est sa femme. Lorsque la première femme qui est sa mère n'est pas là,
C'est sa femme qui prend le relais. L'homme qui n'a pas compris que les femmes sont plus fortes que les hommes n'a encore rien compris. La femme est le côté dynamique que l'homme n'a pas. La femme, c'est l'intensité. Et lorsque l'homme a compris ça, et qu'il soit avec sa femme dans le sens intensité, l'homme l'a réussi toujours. Les plus grands présidents d'Amérique, c'est la femme qui dressait la veste. Elle arrange la cravate et dit, vas-y chérie, t'attends, tu sauras quoi le dire. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, à l'ère du matériel où nous sommes, la meilleure partie que tu peux jouer avec ta femme pour générer l'intensité, c'est uniquement lui donner l'accès. Parce que à un moment, ça va créer beaucoup de problèmes. Le premier problème, comme ce que tu parlais de la femme qui a fait 19 ans, a bâti un homme. Et puis lorsque l'homme découvre l'infidélité, il prend une telle décision. Ça fait mal. Même si l'homme l'a laissé cette femme revenir, elle n'aura plus le même dynamisme. La vérité, c'est que de nos jours, les mariages les plus complets devaient être bien séparés. Et la femme ne doit pas fisser l'homme. La femme doit laisser l'homme dans un régime polygamique. Parce que la bonne femme doit celle-là qui doit savoir qu'elle doit toujours prêcher le bon angle. Bon, parce qu'il y a des femmes qui savent que elles seules, à un moment, l'homme devient diable tellement puissant qu'elle seule ne peut plus le tenir. C'est elle-même qui provoque la deuxième femme. Souvent, elle triche, elle choisit la deuxième femme qu'elle pousse devant. Souvent, c'est en complicité avec la mère de l'homme. Fou une deuxième femme, il ne sait même pas, il ne voit même pas ça venir. Simplement parce que depuis les temps passés, lorsque l'homme trouvait le travail, on disait qu'il lui fallait une femme. Pour éviter qu'il ne se perde. Donc, la femme vient de venir dans la vie de l'homme le discipliner. Et c'est ce qui doit toujours commencer. Lorsqu'un homme construit une maison et que la maison coûte 50 millions, la femme fait son petit boulot, supposons. Et elle apporte dans cette maison 10 millions. Mon ami, le certificat de propriété doit montrer que l'homme a donné 40 millions, la femme 10 millions. Bien séparé, maison par participation. Il ne faut pas que le type là dort, il se remet plus et puis vous venez dire que oh, c'est la maison de notre frère, on va vendre. Vous vendrez chez actionnaire. Ça ne bouge pas. Ça fait que ni la femme ne peut vendre le bien de l'homme parce qu'elle a eu un nouveau gars et que l'homme est mort. Ni l'homme ne peut vendre le bien de la femme parce que la femme est partie. Le bien là n'appartient qu'à l'enfant. Et si la femme a eu un enfant avant de se marier, l'enfant est héritier de ce bien. Si l'homme a eu un enfant au mariage, l'enfant est... Les enfants ont fait quoi? Ils n'ont rien fait naître. Donc, ça tue le débat sur le fait que certaines femmes veulent tuer les hommes pour prendre de l'argent, pour prendre de l'héritage. Bien séparé. C'était ma contribution, ma reine. Continue ton direct. Merci beaucoup. Je suis ton nom. Bisous, bye bye. Je descends. Merci pour ta contribution. Vraiment, si les hommes pouvaient faire des écoles pour que les hommes puissent être enseignés, je pense que ce serait bien. Je me rends compte que beaucoup d'hommes aujourd'hui n'ont pas les valeurs, ils n'ont pas les idées. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand ils se mettent pour boire leur bière là, ils ne parlent jamais des trucs importants. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que quand on fait même les réunions, il y a une dame qui m'a invité à parler. Le 1er juillet, j'irai dans leur réunion pour parler. C'est une réunion et puis chaque personne qui reçoit, tu décides de ce que tu peux faire. Donc, elle a décidé que je vais coacher les femmes sur comment tenir leurs enfants. Okay? Je pense que quand on fait des réunions, que ce soit la réunion où on va bien donner l'argent, que ce soit... Parce que le savoir, hein,
Je pense, depuis 3-4 jours, je parle beaucoup de sagesse. On a vu ça dans la Bible l'autre jour. La sagesse peut arranger ta vie. Ça arrange pour tes enfants. Ça arrange pour tes petits-enfants. Et l'ignorance peut te tuer. Ça te gâte. Ça gâte tout dans ta vie. Et je ne vais pas vous mentir, beaucoup de couples, beaucoup de foyers souffrent parce qu'on manque de sagesse. On manque de sagesse. Et je dis toujours, quand tu vois quelqu'un, avant de rejeter ce que la personne apporte, écoute d'abord. Peut-être que le vaisseau de la personne qui parle, comme je suis une femme, beaucoup de femmes qui me suivent ont de la peine à faire ce que leur mari écoute ce que je dis. Parce que l'homme va dire que c'est une femme, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Mais comme il a dit un truc qui est très important. Il a dit, l'homme en fait, la femme ne doit pas faire la concurrence avec l'homme. Et l'homme, même s'il est conscient, il doit se laisser guider, amener. Un jour, j'ai lu le proverbe 31. Je vais vous lire ça, vous allez comprendre. Ceux qui enseignent les hommes, je ne sais pas où les hommes prennent ça. L'homme et la femme ne font pas le bras de fer. Je vais lire le proverbe là. Vous savez, moi j'aime beaucoup prendre la parole pour faire certains de mes enseignements. Il a bien dit au départ que c'est la femme qui t'accouche. Elle te lave. Tu fais caca sur toi, elle essuie. Et même si le père voyage, il part n'importe où. Quand l'enfant est malade, c'est toute la mère qui est là. Elle se préoccupe. Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait ça? Je vais vous lire le proverbe 31. C'est dans la Bible. Il dit ici, verset 3, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Parce qu'elle sait que son fils est un roi. Ce n'est point au roi les muelles, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse le droit. Donnez donc des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté. Je ne sais pas pourquoi on associe l'alcool avec la pauvreté. Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indignant. Qui peut trouver une femme vertueuse? Écoutez bien, elle a bien plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui font pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. La femme du proverbe 31, c'est elle qui tient le business. Les hommes ne doivent pas avoir peur de la puissance de leur femme. Et le truc, c'est que l'homme se dit toujours que si je... Je ne sais pas répéter ça. C'est dans la femme. C'est pour ça que tu prends n'importe quoi, tu donnes à la femme, elle va multiplier. C'est dans elle. C'est dans elle. Maintenant, quand tu te sens menacée, que si elle a un peu, elle va commencer à... Non. Quand une femme aime un homme, souvent, même, c'est la femme qui a souvent un peu, elle donne à l'homme, elle va faire ça, va ton fonds de commerce. Mais tu vas voir, quand il va un peu avoir un peu d'argent, il va commencer à aller chercher les femmes dehors. Aller chercher les femmes. Elle dit que tu n'as pas encore compris. Le petit argent que tu ramènes là, donne et garde. Donne et garde. Donne et garde. Après, on va te sortir même 3 millions. Que mettons dans le deuxième business là-bas. Je continue. Verset 17. Verset 16. Pardon, mon verset 15. Attendez, je remonte encore. Verset 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et les tâches à ses servantes. Bon, il y a aussi les femmes qui gâtent tout. Monsieur le général, écoutez, très souvent, ce qui fait mal à une femme, c'est la trahison. Quand une femme a l'amertume dans le cœur, la Bible dit que c'est la femme qui détruit sa maison. Elle peut tout détruire. Parce qu'elle sait comment. Elle sait comment détruire.
Vois un peu quand l'homme et la femme sont en accord. Toute la maison est en harmonie. Elle chantonne dans la maison. Elle prépare la nourriture. Vous asseyez, vous mangez, vous riez. Waouh! Oui, chérie, tu vas faire ça. Vois quand il y a l'amertume dans la maison. Le pouvoir de la femme. Tu sais, quand on parle de polygamie, je sais que c'est ça, c'est un truc que les hommes aiment beaucoup. J'ai un ami que j'ai connu en Angleterre. Il était avec ses soeurs. J'avais remarqué que il était noir. Sa soeur jumelle était noire. Ses deux autres soeurs étaient brunes. Et ça m'étonnait toujours. Je m'écartais un peu. Un jour, il s'est assis, il m'a raconté comment son père a organisé la polygamie dans sa maison. Je vous assure que les deux femmes, tu ne peux pas arriver à savoir qui est l'enfant de qui. Les deux femmes s'entendent. Elles sont comme ça. Quand une maman est au téléphone, ils étaient quatre. Tous les quatre enfants disent, oui, maman, maman. Ils parlent six, un parle 5 minutes, tous les autres vont parler 5 minutes. Pas que l'autre va dire, bonjour, maman, bye. Non. Parce que tu ne peux pas savoir qui est la mère de qui. C'est très rare. C'est très rare. Parce que généralement, quand l'homme fait toujours, il est là, ils sont toujours entre mesquins qui fait. Il fait, il veut cacher toujours, cacher. Il te ment. Après, tu viens, tu découvres, tu dis, okay, si tu voulais faire ça, pourquoi tu vas venir? Viens me dire que voilà ce que je veux. La communication, les hommes africains n'aiment pas parler. Les hommes africains n'aiment pas parler. N'aiment pas. Et je pense que s'il y a une capacité que tous les hommes doivent apprendre, c'est l'art de négocier. Quand un homme parle bien, l'homme peut adoucir n'importe quelle femme si c'est comment parler. Tu vois, la femme, elle a le couteau en main, elle veut tout détruire, tout gâter. Justement, tu dis que ouais, maman. Justement, le fait que tu dis que maman, ça va, excuse-moi. C'est fini. C'est fini, hein? Tu as déjà adouci son cœur. L'art oratoire, dans mon école, je fais. Les enfants apprennent à parler. L'art oratoire, ça peut sauver la vie de quelqu'un comme ça peut gâter sa vie. Mais pas quand tu viens parler seulement parce que tu veux manipuler les gens. Non. Tu parles et tu dis ce qui est raisonnable. Tu dis ce qui est sound. Quand tu es en tort, tu dis que non, vraiment. Maman, vraiment, je m'excuse. À soi, on va parler. Parce que la femme est, c'est comme si une bombe dans c'est comme si une bombe dans le corps de la femme. Quand ça tique. Et l'homme par contre sait comment se. L'homme peut prendre la pression, il n'explose pas. La femme ne connaît pas prendre la pression. Quand la femme peut la pression, ça là, pouf, elle va exploser. Il dit que si tu vois la femme est en colère n'importe comment. Souvent la femme dit que je vais partir, elle appelle ta mère, elle dit que maman je pars, elle appelle ton frère, que je pars. Non, elle veut seulement qu'on lui donne une bonne parole. Elle se calme, elle s'assoit, c'est fini. Si à l'école on pouvait faire que chacun, si les garçons pouvaient apprendre comment l'homme est, et les filles pouvaient apprendre comment la femme est, tout ce qu'on veut seulement montrer comment faire l'amour aux enfants. Comment faire l'amour? Comment les sexes, les gens de même sexe peuvent faire l'amour? Voilà les choses qu'on apprend à nos enfants. Et vous savez quand la femme est en colère? Non, 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 elle veut plus, elle veut plus. Elle peut faire tout gâter, même si après elle regrette, j'ai cassé ça. Ouais. Alors qu'il suffisait seulement de quelqu'un qui va venir tempérer un peu. Juste un peu comme ça là. Juste comme ça là, tac, 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 tac. Fini. Je veux faire des ateliers peut-être vers la fin de ce mois d'août parce que j'ai les enfants qui viennent. Donc j'ai envie d'organiser parce qu'on a un événement de clôture le 19 août. Je veux vraiment parler de ce sujet avec les parents. Et je sais que les parents ont de la peine à enseigner les enfants. Donc parents et enfants seront là. On va enseigner. J'ai envie d'enseigner là-dessus. Vous saviez combien de vos mariages auraient été sauvés. C'est pour ça qu'il dit qu'un homme peut t'aimer, mais il te fait du mal parce qu'il ne sait pas comment tu fonctionnes. Il ne sait pas comment tu fonctionnes.
Et vous vous aimez, vous faites mal. Hein? Vous vous séparez. Chacun a de son côté. Tu lui envoies la nourriture peut-être. Ah, Seigneur. Il apprend que quelqu'un veut te menacer. Il peut y menacer la personne. Mais après, il rentre, vous ne vous parlez pas. Parce qu'il faut qu'on avoue quand même que dans un couple, chacun a ses capacités. Chacun a sa force. Même si la femme est bonne dans le business. Une femme qui n'a pas de mari, on lui manque de respect. Kohoha. Quelqu'un me dit un jour que même le chauffeur, même ton chauffeur va vouloir te draguer. Quand tu n'as pas de mari. Parce qu'il va se dire, ah, comme il n'y a personne, le chauffeur. Oui. Parfois le gardien même. Bon, on continue. Verset Proverbe 31. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Voilà. Par manque d'enseignement, tu as quitté ton foyer après 10 ans, en 2008. Elle sent que... Écoutez, je continue. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Les femmes sont des entrepreneurs dans le sang. Dans le sang. Donc c'est là. Tu vois, je dis que bébé, il faudra qu'on achète le terrain. Même si c'est que 40 millions sortent de la poche de l'homme et 10 millions sont pour la femme. C'est ça qu'on ne reconnaîtra pas que c'est elle qui a fait les démarches, c'est elle qui a eu l'idée, c'est elle qui a... Mais c'est ça la collaboration homme-femme. Même avec le mari, il drague. Je pense que les femmes doivent savoir se tenir. Si tu es marié et le portier se permet de te draguer, ça veut dire que tu as laissé l'espace. En tant que femme, vous devez être très catégorique. Vous devez être ferme. Si quelqu'un, si n'importe qui vient se placer devant toi pour te draguer, ça veut dire que tu laisses passer des messages. Je vous dis quand le cache, hein? Oui. Ça se passe comment jusqu'à mon petit employé, là, vient, il commence à se mettre. Tu es fou. Depuis quand la pensée va m'entrer dans ta tête? C'est pour ça que vous devez vous respecter, mesdames. C'est ce qu'on appelle femme de valeur. Je te plais qu'à distance. Que ta bouche ne glisse jamais. Que ça ne glisse pas. N'importe qui vient te draguer. Marié ou pas. Non. C'est quand la femme n'est pas occupée. La femme, c'est une boule d'énergie. Si, la femme, c'est une boule d'énergie. C'est une boule d'énergie. Donc, elle ceint, verset 17, elle ceint de force ses reins et elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main du haut malheureux. Même dans le couple, souvent vous allez voir certains salakas. C'est la femme qui restait dit au mari que « Papa, on doit aller dans l'orphelinat là demain pour faire les dons. Hein. On doit aller dans tel endroit pour faire ça. Hein. » Ah, si seulement les hommes pouvaient écouter leur femme. Yeah. Mais généralement, tu vois souvent les hommes qu'ils arrivent, ils prétendent. Il fait semblant. Quand il y a un peu qui touche son porte-monnaie comme ça là, hey, il ne dort même plus à la maison. Il ne sait pas là où il part. Il est un peu comme ça, tu découvres qu'il a enfilé le dépôt à telle femme. Que dans ces 200 000 là, c'est comme tu as touché 500 000. C'est pour ça que c'est bien de vivre dans une maison où il y a la voiture. C'est bien de vivre dans une maison où il y a
L'argent est bien quand même. Capoum. Parce que quand tu vois quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté, le manque, quand il commence un peu à voir, il cherche ça. C'est comme s'il devient fou. C'est comme s'il devient fou. Hein? Je me rappelle, j'étais avec un gars. Il avait grandi à Bepanda. Moi, je crois toujours trop aux gens là. Hop. On se met ensemble. Le premier jour, il a touché ma voiture pour conduire. Jesus is Lord. Les snaps. Oh, oh, oh. Dès que tu snaps comme ça, les filles commencent à te poursuivre ici dehors. Je vois tes snaps, elles voient à distance là. Je connais déjà ça. Peu de temps après, je vois maintenant. Tantan. Oh bébé. Ouh. Je dis que voilà. Je savais. Je savais. Je savais. Il dit que ton père n'avait pas la voiture, c'est normal. Tu vois la voiture, tu commences à faire comme ça là. Parfois, je vous en prie, c'est bien quand un homme a grandi. Tu as quand même grandi dans un certain confort. Quand ton père avait même la voiture, vous avez même quand même une petite maison de même 4 chambres. C'est important. Dès que quand le gars a commencé à voir l'argent, il s'affole, il s'affole. J'ai dit que waouh, on va avoir plus que ça. Calme-toi. Non, l'argent ne me fait pas trembler. Non, j'ai vu l'argent, j'ai grandi dans l'argent. Je crois que c'était la chaussure qui s'était achetée. Ah, est-ce qu'on respire encore? Il gonflait. Il dit que ouais. Papa, calme-toi. Parfois, c'est ça. Quand il commence un peu à avoir l'argent, il achète le premier terrain. C'est comme s'il est arrivé. Malheureusement, voilà aussi ce qui gâte souvent les foyers. Il était fidèle parce qu'il n'avait pas l'argent. L'argent touche sa main. Bien, le voilà maintenant. Oh, je voyage pour aller. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. Tac, tu vois qu'il est en week-end avec telle personne. C'est pour ça que parfois c'est bien d'être avec un homme qui a quand même déjà vu l'argent. Donc il a quand même. Tu vois, non, il a quand même un peu. Quand tu tombes sur un homme qui n'a pas, tu commences à faire qu'il l'est. Tu es en train de chercher les problèmes, mais tu te sais pour les problèmes. Continuons. Tu n'es pas sûr. Son comportement n'est pas stable. Quand l'argent finit, il t'aime jusqu'à. Ouais bébé, il est à la maison tous les jours. Petit agent entre comme ça. Tac, il est parti. L'argent, c'est pour investir, papa. Une partie là, viens, on investit, on a les projets. Et quand c'est alors toi qui prends ton argent pour lui donner, ah, il va t'aimer le jour là jusqu'à. Hey, il faut voir comment il est triste quand il n'a pas l'argent. Il stresse à la maison. Il stresse. Le jour l'argent entre. Non, tu ne peux pas m'aimer parce que je t'ai donné l'argent. C'est pas bon. Je vous donne les petits signaux. Cherchez les gens. Tu vois, peut-être que tu tombes sur une femme m'a dit qu'elle est tombée sur un gars. Moi, je la consultais. Elle m'a dit qu'elle est tombée sur un bambina comme ça là. Voilà, ton ex te tapait quand tu ne donnais pas l'argent ou quand tu cachais ton argent. Voilà. Elle dit qu'elle est tombée sur un bambina comme ça là-bas. Mais il n'avait pas les papiers, il n'avait pas de travail stable. Elle a commencé à laver le monsieur, l'encourager. Prendre son CV, déposer dans les endroits. Elle a déposé quelque part, il a eu le boulot. La même période qu'elle était avec lui. Je ne sais pas si elle a proposé quoi là-haut. On lui a donné son titre de séjour. Elle a commencé à changer. Changer. Parfois, il y a des personnes qui ne méritent pas. Il y a des personnes parfois qui ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Et le truc qu'il croit, c'est que comme il a déjà eu ce statut-là, ça sera éternel. Alors que ça va changer.
N'importe quelle somme que tu as eue, ça va, tu vas finir. Tu vas manger, ça va finir. Donc, Proverbe 31, verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Voilà un passage pour son mari. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Je suis sûr que son mari est même considéré à cause de sa femme. Je suis sûr que son mari là est considéré même à cause de sa femme. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qu'on respecte à cause de leur femme? Ah. Il y a des hommes parfois avec un mauvais caractère. Ils n'attirent pas de respect. Mauvais caractère. Chiche. Qui n'a jamais aidé quelqu'un. Mais dès que tu rencontres toi, hein, tu es généreuse, pieuse, tu aides les gens. Ah, c'est ton mari. Oh, bonjour le mari de madame. On le respecte à cause de toi, la femme. Oui, Marie-Michel, bon, c'est bonjour. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Donc elle sait qu'elle va avancer. Elle sait que son avenir va te donner. Je vous dis souvent qu'il y a un moment où tu arrives dans ta vie que tu sais que tu ne peux pas échouer. On monte, on descend. Tu ne peux pas échouer. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Tu vois tout le travail qu'elle fait là, non? Son mari se lève et il a... Oh, maman. Oh, Mwenta. Quand un homme te flatte en patois, ça a le goût. Oh, Seigneur. Oh. J'avais un ex là, il parle le batoufam. Moi, quand il me flatte en batoufam. Les ailes pouvaient pousser sur toi. Il te donne tous les noms du village. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok, Arline, tu as quitté le père de ton... Il refusait d'investir. Quand ça finit, il revient pour demander pardon. Sans savoir que moi, je suis déjà passé à autre chose. Et puis, encore, comme je suis lancé seul, il veut seulement... mourir. Oui, je rends grâce à Dieu parce que il m'a donné le courage de mettre fin à cette relation. Mm-hmm. Je préfère être seul que de rester avec un homme qui n'a pas de vision. Vraiment, sois béni à Kameni. Il dit que la femme fait tout ça là, son mari vient seulement faire la talakou. Hein. Il fait seulement la talakou. Oh, la plus belle femme, la plus belle des femmes. Hey. Oh, ya ma chère femme, tu es très jolie. Oh, oh, oh. Oh, si vous avez une école, c'est je sais pas. J'ai envie de faire un truc comme ça. Je sais juste les hommes qui vont enseigner dans cette école-là. J'ai compris que la vie, c'est le savoir-faire. Quand tu connais comment naviguer la vie, oh. Même déjà en choisissant, tu ne choisirais pas parce que cet homme-là que tu te plains aujourd'hui, au départ, il avait déjà ces signes-là, tu ne voyais pas. Maintenant, même les critères de choix, de sélection, tu connaîtras parce que tes critères de sélection vont changer. Vous comprenez, non? La clinique du cheveu, tu m'as enseigné. La polygamie n'est pas...
Parce que généralement, dans la polygamie, c'est la femme qui perd. C'est pour ça que les femmes n'aiment pas la polygamie. Parce que, elle sait que dès qu'on prend la deuxième femme, c'est pour me jeter à la poubelle. Et dans ce que le monsieur de la clinique des cheveux a dit, j'ai bien aimé le fait qu'il ait bien, quand il a séparé les miens. Tu sais, ça fait très mal quand tu sais que tu sors d'une relation, tu as donné tout. Tu sors de là, tu n'es pas sûr, tu dandines. Tu n'as aucune fondation. Et je pense que les mariages doivent être signés sur la base de bien séparer. Bonjour Claudette. Mon numéro est dans la bio. Si tu regardes en haut là sur TikTok, la bio en bas de mon nom, il y a mon numéro. Donc tu peux écrire là-bas pour demander. Le mètre d'impression d'étiquette, c'est 2500 ou 3000. Ce n'est pas 7000 francs. Je ne sais pas où il est parti imprimer. Je ne veux pas. Monsieur Clinique des cheveux là, il faut que je te cherche en ligne. Maintenant, les femmes doivent aussi savoir que tout homme a ses défauts. Tout homme. Maintenant, l'homme intelligent, c'est celui qui travaille sur ses défauts. Mariage monogamique, c'est sur la base d'un contrat, en un contrat de mariage. Wisdom cosmétique, je ne comprends pas. La polygamie devrait aussi exister pour les femmes. Vu toute l'énergie que la femme met dans l'homme, si la femme divise ça, ça ne sera pas bon. Dieu a conçu la femme de telle façon que si la femme commence à avoir un gars dehors, tout, elle va vouloir se séparer de son homme pour aller. Et je dis toujours, ne basez pas votre vie seulement sur l'acte sexuel. Et que tu sais vraiment ce que tu veux. Le sexe, c'est quoi? Et quand tu viens de gâter ton mari parce que tu es parti tromper ton mari ou bien tromper ta femme. Tu vas être trop occupé d'abord. Hein? Donc, il faut faire un contrat de mariage pour se protéger en cas de séparation. Oui. Je ne suis pas cachée, je suis à la clinique Sidedo. Fast station, tonnerre. Ok. Tu as une clinique là-bas, hein? Ok, quand je serai dehors là dans quelques jours, je vais prendre contact avec toi. Tu as dit si à des deux faces station Total Bonateki. Ok. Tu fais quoi là-bas dans ton business en fait? Parle-en ici, hein, ça peut aider les gens. C'est bien comme tu as Douala parce que les cours que je voudrais bien qu'on donne, ça sera passé à Douala. Le mariage sous contrat aussi, il faut déjà qu'on instaure cela. Alors, le problème généralement avec les couples, c'est que tu vois, en fait, quand tu veux prendre le business, moi je prends le mariage comme un business. Je sais que les gens n'aiment pas quand on parle comme ça. Je sais que les gens n'aiment pas quand on parle comme ça. Je pense que le mariage doit être comme quand tu prends quelqu'un pour qu'il fasse la peinture chez toi. Ou bien pour qu'il. Vous vous entendez, vous mettez tous les termes au début. Pas quand vous avez déjà un parti, il y a quelque chose à perdre. Non, au début. Ok, les enfants. Regarde, moi j'ai mes deux enfants que j'amène dans le mariage. Tu en penses quoi? Oh, d'accord. On éloigne leur mère parce que moi, elle ne veut pas. Tu sais que leur mère, elle veut toujours, tout le temps, elle veut toujours. Mais si on prend les enfants à part entière, non, ils peuvent hériter de ce que nous on va gagner ensemble. Ce sont des enfants, non, chérie. Je t'aime, non. Voilà. Mais par contre, si tu ne veux pas toi la femme, Dieu aussi au départ. Bon, qu'en est-il? Vous mettez chaque aspect, vous discutez. Il n'y a pas que le contrat de mariage, vous devez même faire un autre contrat à part après. Vous l'écrivez. Pour ce qu'il en est de ça. Pour ce qu'il en est de ça. Parce que sinon, il y a toujours quelqu'un qui paie. Il y a toujours un perdant. Tu peux avoir un homme qui ne gère pas au lit, mais tu lui apprends. Si c'est ça,
qui te confort dans le mariage. Pourquoi chercher un autre? Il faut même épouser quelqu'un qui t'attire physiquement. Maëlys, une femme peut apprendre à aimer un homme. Parfois, tu peux regarder un homme, il n'a pas tout ce que tu veux. La seule chose que je ne sais pas comment on peut gérer, c'est la taille du truc. Excusez-moi. Justine, arrête. Bon. Monsieur Clinique, là, demande à monter, s'il te plaît. Changer. Mais taille ne veut pas dire efficacité, les femmes. Okay? Donc, s'il a la taille, mais il n'est pas efficace, tu peux apprendre. Mais s'il n'a pas la taille, je ne sais pas. Et ces gens qui n'ont pas la taille, là, qui vont souvent refuser d'utiliser l'aide, là. Tu vois, il y a un outil qui aide souvent, là. Il va refuser. Je veux pas les outils là, moi je veux seulement avec moi, je suis, je dis que ouais, c'est comment? Je dis que la taille c'est dans la tête. Non, mamie, il y en a que. Tu te demandes si sa croissance s'est arrêtée à 5 ans. Vraiment, excusez-moi vraiment, mais tu as tout l'amour pour la personne et les formes. Oh my god, je veux pas tourner, je vais trop rire. Monsieur Clinique, madame. Chauffer ici. Mamie, ce n'est pas seulement dans la tête. Ouais, Seigneur, pourquoi tu m'as créé comme ça, Dieu? Rapproche-toi à ton micro, j'ai l'impression que ça. Je n'entends pas bien. Merci. Allô? Là, je t'entends plus du tout. Tu es parti? Oui, là, c'est mieux, oui. La femme, déjà, celle qui dit que la taille là c'est dans la tête, je laisse tomber. La femme vit sa passion tous les jours. Tu manges bien sa nourriture avec appétit. La femme là est fière de te voir manger ça. Même son enfant qui mange sa nourriture, elle est contente. D'ailleurs, que le gros mangeur, c'est celui que la mère à qui donne. La mère fait tout des petits cadeaux. Deuxièmement, mon frère. Si tu ne gères pas ta femme, c'est quoi? C'est le poteau. Mes chéris, vous êtes des reines. Si vous sentez que votre mari baisse, faites-lui des tisanes. On lui fait quoi? Faites-lui des tisanes. Des tisanes. Vous avez suivi les femmes, si? Il y a des tisanes qui rendent le sexe de l'homme lourd. Ok. Ça fait quand vous êtes avec lui, il pèse. Et tu lui donnes l'érection normale. Ce n'est pas l'érection des Viagra. Hein, Normal, ça dit que ça augmente le métabolisme à ce niveau-là. Ça vide les glaires, etc. L'homme, il fait la nuit. Le matin, si vous traînez encore, il fait. Et si vous vous amusez le dimanche, il a fait. Vous tournez devant lui, il fait encore. Ok. Et en ce moment-là, il ne peut pas aller faire dehors. Pa Deux raisons. papa, papa, attends un peu, pardon. L'homme pas d'abord fait dehors, pourquoi? Attendez, il y a des gars
garçons sont gâtés, même je ne sais même pas ce qui se passe dans leur tête. Okay, continue. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a la passion, parce que si du côté de la femme et de l'homme, il n'y a pas une compatibilité sexuelle, il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui se masturbent beaucoup. Oui. Et à cause de la masturbation, elle développe ce qu'on appelle l'amour imaginaire. Donc, elle doit réfléchir pour jouir. Et ça va créer une désorganisation hormonale. Je parle en tant que médecin trichologiste. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, ça va créer une désorganisation hormonale. Et ça fait qu'elle va créer une espèce d'objectivité. C'est-à-dire qu'elle jouit sous l'effet d'un objet. Donc, lorsqu'elle fait l'amour, ce n'est plus le rôle l'homme qui pénètre. Elle va chercher l'angle de son corps qui lui fait jouir. Elle ne va pas vivre la sensation de son mari sur elle. Et là, de l'autre côté, vous avez un homme aussi qui ne ressent pas sa femme. Par contre, vous avez des femmes qui entretiennent bien leur sexe, qui font des bains de vapeur, etc. et qui ont une flore bien développée. Quand l'homme rentre, la femme mouille bien. Et la sécrétion vaginale de la femme fait en sorte que l'érection de l'homme soit plus correcte. Donc, plus elle sécrète avec son homme, plus l'homme se sent homme dans sa femme. Et plus son sexe sort, parce que le sexe de l'homme est va et vient. C'est-à-dire, quand il n'est pas en colère, ça devient petit. Quand il est en colère, ça sort. Troisièmement, il y a le contact. C'est-à-dire que c'est un moment où, par moment, la femme dit qu'aujourd'hui, là, tu vas pleurer. Si tu ne pleures pas, c'est pas moi. Tu touches ton mari, il reste comme ça. Il est sur le lit, il rit seul. Ça va dire des mots à son mari. Parce que ce que vous ne faites pas là, les petites filles, le jour qu'ils osent une petite fille dehors, vous ne comprenez plus la sorcellerie qui marche dans sa tête. Vous voyez des filles qui lui disent, c'est moi le coup. Il tape, elle fait. Il regarde la fille dans les yeux, il veut lâcher, il dit, c'est. Quand il rentre à la maison, il est devant la télé, il pense à c'est moi le coup là. Il dit, c'est moi le coup. Position lézard. Les enfants. Mais donc, il y a tout ça. Donc, ne jouez pas avec le comportement, le niveau sexuel. Et la compatibilité commence par là. Moi, je pense que tu ne peux pas vouloir te mettre en relation avec un homme si certains éléments ne sont pas partagés. Tu peux pas être là quand tu as mangé les pizzas, le gars a mangé la nourriture à la maison. Tout le temps, chérie, allons au restaurant. Lui, il aime voir sa femme préparer. Une femme qui n'a pas la niaque sous prétexte qu'elle est très occupée, n'arrive pas à faire un bon plat à la maison avec son mari. Elle ne tient l'homme avec rien. Parce que la nourriture, là, c'est ça qui rapproche la femme de son mari, l'enfant de sa mère. Donc, naturellement, ces petits secrets mis ensemble feront en sorte que le couple sera plus ou moins équilibré. Plus ou moins, je précise, plus ou moins équilibré. Le reste, c'est la passion que la femme va vivre. Parce que le champ d'expérimentation d'une femme, c'est son mari. D'ailleurs, la Bible le dit, je crois, à Genèse 3, verset 7, tes désirs seront portés vers ton mari, si je parle. Si j'ai bonne mémoire. Oui, dans Genèse, c'est ça. Tes désirs seront portés vers ton mari. Ton mari est ton champ d'expérimentation. Plus tu arranges comme ça, le gars frappe fort, l'autre part, il est nommé, tu es contente. Si tu restes là, tu pries, et les femmes, vous devez être positives. Faites régulièrement des bains d'enfants. Soyez dans la prière. Parce que quand une femme n'est pas positive, elle n'est pas la lampe là qui éclaire la maison, comme il est dit dans Proverbe 31. La lampe qui reste allumée toute la nuit, c'est l'Esprit de Dieu qui reste allumé toute la nuit. Vous connaissez la parabole des vierges, folles des vierges, c'est celles qui ont gardé l'huile dans leur lampe. Donc, il faut toujours que la lampe reste allumée dans la maison, que la femme, c'est le rôle de la femme, de garder la lumière de la lampe dans la maison. Et à la fin, je voudrais dire que les femmes, la femme
a l'impression qu'elle l'aime, elle n'aime pas. C'est l'homme qui doit aimer. C'est l'homme qui doit aimer. L'homme est fait comme ça. Il a la capacité. L'homme a même la capacité d'aimer deux femmes bien. Sans qu'un en pâtisse. C'est-à-dire qu'il sait pourquoi il aime. Et qu'elle avait une. Vraiment, ses pensées ne sont pas sur l'autre. L'homme a cette capacité. La femme, non. Lorsqu'elle a tourné le dos, donne du sang. Lorsqu'elle a déjà pris la décision, elle t'a sorti de sa tête, donne du sang. Donc, la femme n'aime pas. La femme, son objectif, c'est son mari. Elle n'aime pas en réalité. Son objectif, c'est son mari. Donc, tant qu'elle sent qu'elle contribue pour son mari, je vous assure, la femme est comme cet employé-là qui sent que le patron a confiance en lui et chaque fois qu'il pose un acte, il contribue vraiment pour la société. C'est-à-dire qu'il fait encore et encore, encore et encore. Mais lorsqu'un mari chaudifie sa femme, ou un mari n'intègre pas sa femme, ou un mari ne met pas sa femme comme une très bonne de ses conseillères, même quand tu veux prendre le conseil de la femme et ne pas l'appliquer, viens, tu lui expliques, bon, tu m'as conseillé comme ça. Mais vu que ça, je pense que je prendrai comme ça. Qu'elle sache que tu pars de son conseil même pour aboutir à quelque chose. Elle sent qu'elle joue un rôle. Il y a des femmes, le mari voyage. Elle connaît que là où il est, là, il ne va pas bien. La femme est le seul être qui connaît comment est son mari. C'est-à-dire que quand elle regarde son mari, c'est ça ne va pas bien. Oui. D'ailleurs, même quand on fait une bêtise dehors, la femme regarde, elle sait qu'il a fait une bêtise. Elle sent, elle a ce flair-là, elle sent. Il y a des femmes qui sont tellement bonnes que le jour où le Seigneur veut même dire quelque chose pour le mari, c'est un rêve chez la femme qui vient parler. Oui. Parce qu'elle doit être pure. Il y a des mythes qui disent que Dieu a créé la femme proche du ciel et l'homme proche de la terre. Et que la femme est un être céleste et l'homme est un être terrien. Donc, ça fait que la femme est la pureté. La pureté là. Celle-là qui vient avec la pureté dans le foyer. Donc, vous parlez de moi. Nous sommes une clinique située à Douala Dedo, face station Total Bounatiki. Moi, je suis médecin trichologiste, c'est-à-dire expert en tout ce qui concerne le cheveu. D'accord. Donc, sur place, nous occupons des patientes, c'est-à-dire que celles qui ont des cheveux en santé, nous leur accompagnons dans leur routine capillaire et nous représentons une marque qui s'appelle Beauty Pro. Donc, beaucoup de personnes sur TikTok le savent parce qu'on publie beaucoup. Malheureusement, j'ai perdu mon compte qui avait 300 000 followers. Je viens de commencer avec un nouveau. Ça fait mal, mais on doit rester fort. Du Donc, courage. pour les autres femmes qui ont des pathologies telles que des alopécies, telles que des pellicules infernales depuis l'enfance, des pathologies capillaires. Sur place, nous avons un service de consultation, nous avons des trichogrammes pour l'analyse capillaire du cuir chevelu. Et elles viennent, elles ouvrent un carnet de consultation et puis on les consulte et on fait avec elles une routine sur 3 mois et demi qui est la première routine et on évalue le travail. C'est comme ça qu'on accompagne les femmes. D'accord. Vraiment, c'est pour tout le monde. Et les prix, merci pour l'espace que tu me donnes. Les prix, on s'arrange à ce que les prix soient vraiment proches du salon normal. D'accord. Donc, si vous voyez un prix différent du salon normal, vous allez vous rendre compte que c'est que le protocole n'est pas le même. Une minute, hein. Ceux qui sont sur Facebook, sur TikTok, son nom c'est la clinique du cheveu. C'est tout? Il y a quelque chose d'autre à ajouter à ça? Non, c'est bon, ceux qui sont sur TikTok, le nom c'est la clinique du cheveu, c'est le nom qu'ils voient affiché à mon compte. D'accord. Et ils peuvent se connecter, ils peuvent écrire, et puis ben, ils vont voir les numéros, sont souvent sur certaines publications affichées, c'est-à-dire que nos Donnez services un sont numéro au affichés. moins. Vous avez un numéro en tête? Ok, Mon numéro, allez-y, je vais répéter. je ne dois rien à personne. 699. 6,99. 64 64 93 93 38
93 38. OK. 699 64 93 38. Voilà. Je m'excuse, hein, monsieur. Est-ce que vous êtes déjà marié? Mais il faut le ressentir très intéressante. Je dis seulement comme ça et c'est tout. Donc, vous avez suivi dans les femmes. M'a permis de comprendre beaucoup de choses dans le mariage et aller chercher qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc j'ai eu un mariage qui n'a pas mis un an. Donc ça fait que j'ai recommencé à. Il a fallu être fort pour se lever, pour redevenir, pour ne pas garder les cicatrices et tout et tout. Mais il a fallu apprendre aussi de ce que ABC voudrait dire. J'ai essayé de regarder qu'est-ce que nos parents avaient à nous donner comme enseignement. Et c'est comme ça que je me suis plus ou moins formé. Et j'ai compris quel était le rôle et la place de la femme. Donc, je suis célibataire. Je pense que vous avez Okay. plus, vous avez une partie de vous qui a le don de coacher les gens dans les relations amoureuses. Parce que je ne sais pas, en tant qu'homme, j'ai l'impression que vous comprenez les femmes. Parce que quand vous parlez, je sens beaucoup de femmes qui elles se sentent comprises. Donc ça, déjà, je peux dire que ça, c'est un don que Dieu vous a donné. Ça s'est développé avec le temps, sûrement. Donc, merci, merci d'avoir pris le temps pour nous apporter votre savoir ce matin. Ok, mets la tour. Merci. Bye. Bye bye. Ouais. Bon. Et il a donné son numéro. Pas pour le draguer, bien sûr, pour ceux qui ont besoin de service. Mais quand il parlait, je sens qu'il a ce don-là de. Quand il explique quelque chose, tu comprends, en fait. Ça enlève parce que quand une femme. On fait mal à une femme, elle se ferme. Et quand elle se ferme, les paroles qui sortent sont des paroles amères. Quand les gens parlent, tu sens l'amertume dans eux parce qu'ils ont été blessés. Donc quand ils parlent, ça dissout cette amertume-là. Ça dissout. Voilà. Donc le numéro, c'est le 699 64 93 38. Donc ils sont à Douala, en face de la station de Total Bonateki. Ok. Donc je verrai comment prendre attache avec lui pour qu'on organise souvent je sais pas, si on peut préparer au moins une fois comme ça, une fois par mois même, ce serait bien. Selon ce que le Seigneur va nous inspirer à faire. Merci beaucoup, Kumba. Ok. Je remercie pour sa participation. Merci ma chérie, merci. Donc pour le service qu'on aura à Douala le premier, s'il vous plaît, vos enfants, j'aimerais bien que vos enfants participent. Donc si vous avez des enfants qui peuvent servir ce jour-là, et si vous-même vous voulez venir servir, donc vous nous fassiez signe en avance. Ok, donc je parlais comment monétiser ces dons. C'est vrai qu'on est totalement sorti du sujet. Vous savez que j'ai même pas demandé le nom du monsieur. J'ai écouté, je l'appelle la tenue du cheveu, mais j'ai oublié son nom. Oh my God. Ok, donc je disais que vous devez apprendre l'art oratoire, comment vous exprimer correctement. Vous devez apprendre à vaincre votre peur, comment façonner vos produits pour mieux les vendre. Vous devez aussi acheter du matériel, savoir investir. Comment investir? Comment vous discipliner? Vous devez apprendre aussi à éditer, comment éditer les vidéos, peut-être les mettre en ligne.
Et comment aussi développer un bon mindset pour savoir gérer le business. Parce que tu peux avoir des dons, mais tes dons ne sont pas... tu as les dons, mais tu n'as pas l'argent à partir de ces dons-là. Donc tu viens, tu utilises tes dons, peut-être pendant 4 heures, tu conseilles les gens, comme peut-être le monsieur de la clinique du cheveu. Pardon. Et c'est un don qui peut te donner l'argent, mais tu n'étais pas assis pour dire que, OK, Dieu m'a donné ce don de savoir parler, comment adoucir les cœurs des gens, comment adoucir et réconcilier les couples. Comment est-ce que je peux faire pour monétiser ce don? Comment est-ce que je peux faire pour tirer de l'argent de là? Parce que vous devez d'abord comprendre quelque chose sur votre don. Ce n'est pas un péché de vouloir servir son don à l'humanité. Supposons peut-être cet homme-là, je l'approche, il me dit que non, il ne veut pas. Il ne veut pas donner des ateliers, peut-être pour aider les gens à se réconcilier ou à se comprendre. Vous voyez que beaucoup de personnes vont souffrir. Les personnes qu'il aurait pu aider vont souffrir, continuer de souffrir, parce qu'il aura refusé de les aider. Donc, quand tu as ton don, mais tu ne le sers pas aux gens, tu n'aides pas en fait l'humanité. Oublie même la partie argent. Maintenant, c'est naturel que l'humanité vienne te récompenser pour ton don. C'est naturel qu'on te récompense. Parce que ce que tu donnes aide la personne. Supposons peut-être, vous voyez les produits que je vends, produits pour se débloquer, pour faire que son business marche bien, pour enlever les malédictions sur quelqu'un. Supposons peut-être, tu ne tombes jamais sur un de mes produits, tu portes tes malédictions jusqu'à l'âge de 80 ans. Ta vie n'avance pas. Maintenant, je décide de se servir mon don. De t'aide à te débloquer sur tel aspect. Tu te libères des trous, les schémas répétitifs de ta mère, tu ne les mets pas peut-être sur toi. Là maintenant, je t'aide à te débloquer de quelque chose pour avancer. Donc, même si tu me payes, le prix que tu payes ne vaut même pas le nombre d'années que tu allais souffrir avec ça. Supposons peut-être, ce monsieur de la clinique du cheveu, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes, il fait des ateliers, ça t'aide à te restaurer, à guérir de tes blessures. Et tu te remaries. Mais chaque fois quand tu te remaries, tu es mieux préparé mentalement, tu sais ce que tu veux. Et parfois même, il y a des sujets que c'est difficile d'aborder avec ton mari ou ton fiancé. Peut-être supposons il fait des consultations, il dit OK, pendant cette consultation, on va mettre les sujets sur la table qui te concernent toi, la femme, ce qui concerne l'homme, ce qui t'inquiète la femme, ce qui t'inquiète l'homme. On les met sur la table et on parle. Donc vous avez une troisième personne qui va permettre que la conversation soit équilibrée. Ça évite que tu ne passes tes prochaines 5 années à souffrir dans un mariage. Alors qu'au départ, peut-être tu es venu vous asseoir. OK, est-ce que ça t'arrange? Oui. Moi, je veux gérer ça. Moi, je veux gérer ça. Moi, ça, je veux que ce soit comme ça. Non, l'autre dit que non, moi, je veux que ce soit comme ça là. On met cet équilibre-là entre toi et moi. Maintenant, on voit si on peut faire chemin ensemble. C'est pour ça qu'avant qu'il intervienne, je vous disais que je pense que le mariage doit avoir des clauses à part le contrat qu'on signe là. Parce que le contrat de mariage qu'on vous donne avec vos deux têtes collées comme ça, il n'y a pas de clause dessus. Hein. Et parfois, c'est même le jour où tu es devant le maire qu'on te lit. On lit ce que l'homme est censé faire ça, la femme est censée faire ça. C'est le jour-là que tu apprends même. Donc, je pense que des cours de préparation, même à l'engagement, sont importants. Et parfois, tu as une philosophie. Tu veux te marier avec un homme. Il n'a pas été en contact avec cette philosophie. Tu dis, chérie, viens un peu, je vais t'amener à un événement là, viens. Il s'assoit, il écoute, il écoute. Tu l'aimes, il l'aime, il t'aime. Mais parfois, les gens se séparent, ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment plus. Il y a l'amour, mais on ne savait pas comment gérer. On ne savait pas comment gérer la relation. Il s'assoit, il écoute, il écoute, il écoute. À la fin, maintenant, il te dit, qu'est-ce que tu en penses? Il peut te dire, non, 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 moi, il ne veut pas, il ne veut pas. Soit il peut dire, waouh, mais ça, c'est intéressant. Oui, je veux ça. Et c'est là maintenant que vous demandez plus d'informations, vous vous investissez un peu plus là-dedans. Vous voyez, non? C'est délicat, hein? Very delicate.
On va dire affaire à suivre, ok? C'est un sujet qui est tellement vaste que je ne compte pas le développer totalement aujourd'hui. Bon, est-ce que vous avez des questions? Je vais bientôt arrêter. Vient d'arriver. Bonjour Michel. Comment ça va Monsieur Finot? Je viens de parler sur la monétisation des dons et j'ai presque terminé. Donc j'attendais si les personnes ont des questions. Bon, comme il n'y a pas de questions. Pourquoi vous n'avez pas encore monétisé vos dons? Qu'est-ce qui vous dépasse le plus? Vous avez des difficultés à quel niveau? Les dons spirituels, peut-être tu as un don de voyance, peut-être tu sais très bien conseiller les gens. Comment utiliser ses dons dans son lieu de travail, sachant qu'il y a de la jalousie? Armel Nadine, ton don n'est pas à être utilisé dans ton lieu de travail. Supposons que tu es secrétaire quelque part et que tu as un don de voyance, ou bien tu es secrétaire quelque part et que tu as un don, tu peux être conseiller matrimonial. Les deux contextes ne vont pas ensemble. Parce que tu étais embauché pour être secrétaire. Tu vas pas aller là-bas essayer de commencer à conseiller les gens. Non. C'est pour ça que ton don doit d'abord être travaillé à côté, d'abord. Et tu n'es juste pas dans le cadre. Parce que les personnes qui ont besoin de ce don-là viendront à toi. C'est pour ça d'ailleurs qu'après tu te mets sur les réseaux sociaux. Pour que les personnes concernées viennent. Quand vous tombez sur ma page, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Si tu n'aimes pas ce que je dis, tu te déconnectes, tu pars. Si tu aimes ce que je dis, tu dis, ah, je veux savoir plus. Donc, quand tu développes ton don, tu viens le servir sur les réseaux sociaux, tu en parles aux gens, tu mets sur tes statuts, sur Facebook, pour que les gens puissent venir et dire, oh, si ça les intéresse, ils viennent à toi. Et les dons ne sont pas forcément spirituels. Tout à l'heure, quand cet homme-là parlait, monsieur de qui a la tenue des cheveux, là, quand il parlait, il n'a pas mis Jésus dans tout ce qu'il disait. Mais c'est un don qu'il a développé, il a bien parlé de son mariage qui a échoué. Et de là, il a tiré des leçons. Et maintenant, il est en train de développer ce don-là. La peur de mal faire. Nikèse qui dit qu'elle a peur de mal faire. C'est pour ça qu'elle n'a pas encore commencé à utiliser ses dons. Nikèse, j'ai une nouvelle pour toi. Tu feras toujours mal. On tombe toujours, on se casse toujours la figure, au moins une, deux, trois fois, je ne sais combien de fois, avant que ça aille bien. Donc tu ne dois pas avoir peur d'échouer. Ce n'est pas que tu commences pour échouer, mais tu dois quand même te lancer. Quand l'enfant apprend à marcher, il se lève, il tombe, mais tu penses qu'il faut être guidé dans un début. Je pense toujours que quand l'élève est prêt, le maître se pointe. Vous savez que je parle de conseil matrimonial ici sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Ce n'est que ce matin que je suis tombée sur quelqu'un et là je lui dis, je vais le contacter pour qu'on fasse le projet là. Supposons que je n'avais jamais essayé, jamais commencé là-dessus. Donc tu dois d'abord commencer en cherchant. Aujourd'hui, si tu as besoin d'un spécialiste dans ta ville, peu importe le domaine, tu peux. Tu vas, tu cherches. Tu vas en ligne, tu cherches.
Donc, attendre en disant tu as besoin forcément d'être guidé, ce n'est vraiment pas une excuse totale. Tu as une intuition. C'est un don que tu dois développer. Peu importe le don que tu as, tu dois le développer. Tu dois le développer. Je crois qu'il y a un dicton qui parle des 10 000 heures. Il faut travailler au moins 10 000 heures sur un don, sur quelque chose avant de dire qu'on est maître dans cet art. Et Bruce Lee avait dit, je ne crains pas celui qui peut rehearse, qui peut s'entraîner en faisant un geste, non, un geste, 10 000 gestes une fois, mais je crains celui qui s'entraîne en faisant un geste 10 000 fois. Parce que quand tu fais un geste 10 000 fois, tu commences à devenir. Imagine seulement, tu prends une phrase ou un speech. Tu passes 8 heures par jour à t'entraîner à répéter ce speech. Tu le fais pendant une semaine. Au bout d'une semaine, tu seras devenu parfait dans ce speech, je suis sûr. Alors qu'au bout d'une semaine, si tu avais fait un seul speech 10 000 speeches une fois, ta tête sera pleine de tellement de speeches que tu ne vas même pas te rappeler. Tu ne pourras même pas me donner 3 speeches complets parce que tu as lu tellement de speeches. Donc il y a aussi you have to exercise, you have to work it out. Parce qu'on n'a pas l'habitude de s'entraîner dans quelque chose. Ton don au départ, tu peux le donner comme une aide aux gens. Tu peux proposer. Quand j'ai commencé le coaching, au départ, je proposais mes services gratuitement aux gens. Oui, Michel dit, le Seigneur, Dieu t'enseigne à travers la Bible et la prière. Oui. Mais je dis toujours, après la prière, il faut bien affronter les gens. Peut-être que tu as le don de prière. Il y a des gens en ligne que tu pries, ils prient pour toi, tu le payes. Je sais que les gens vont dire non, pourquoi? Mais bon, moi personnellement, je sais qu'il y a des dons que Dieu nous donne, on les monétise après. Si vous avez fait un commentaire, je n'ai pas lu, répétez-le. Répétez le commentaire. Vraiment, tu ne peux pas dire que tu vas dire que les gens vont te payer pour que tu rêves d'eux. Si je dis, non. Peut-être interpréter les rêves des gens, mais. Wisdom, tu n'es pas discipliné. Ta bouche dit les choses dans le bavardage. Tu bavardes d'abord pourquoi? Tu dois aligner ce que tu dis. Tu dois aligner ce que tu dis. Ta bouche dit les choses dans le bavardage. En tout cas. Oui, monsieur Michel, il faut avoir de l'audace. C'est ça. Le truc, c'est que vous êtes toujours un peu dans l'aléatoire. Vous êtes toujours dans le. Proposer des choses que quelqu'un peut quand même dire que waouh, je peux quand même acheter ça. Parce qu'on achète ce qui va nous être utile. On achète ce qui va nous servir. Tu peux faire une formation, tu montres aux gens comment interpréter leurs rêves. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes ici en ligne qui font les rêves, ils ne savent pas comment interpréter. Donc, monsieur Knie du Cheveu, votre prénom c'est quoi, monsieur la Knie du Cheveu? Hervé Mitterrand, ok, merci. Ceux qui veulent la consultation chez moi, je vous ai dit, vous prenez le numéro de téléphone dans la bio, de TikTok. Ne restez pas seulement en disant que Dieu va m'aider. Tu finis de prier, tu dois sortir pour mettre en pratique tes dons.
Ton intuition te parle seulement quand c'est négatif. Ne venez pas me perdre le temps, pardon. Bon, j'ai terminé avec vous. Depuis que j'ai commencé à briser les malédictions générationnelles, l'univers m'envoie des gens de mon entourage qui sont dans la même situation pour moi, pour les orienter. Parfois même en rêve. Comment faire pour se rappeler de ses rêves? Enfin, là-bas. Je ne suis pas en train de parler de se rappeler de ses rêves. Vous aimez trop ça. Fidéline, c'était quoi ta question? Parfois, c'est le décès sur mes jambes, mais je ne sais pas quoi empêcher. Non, ce n'est pas ça que je ne suis pas en train de ça. Vous voulez me parler des choses qui me concernent parce que je suis en train de dire. Je ne sortirai pas de mon sujet pour vous. Vous me suivez bien. Tu me parles du décès de tes gens, tu me parles de ceci. Je suis en train de parler de monétiser ses dons. Et c'est ça votre problème. Vous ne pensez pas à l'argent. Vous êtes tout dans des trucs, des rêves éphémères, des fables qui n'ont pas de sens. L'argent va arriver chez toi, même il va fuir. L'argent va arriver chez toi, ça va fuir. Ah, la femme là, pardon. Dans les fables bizarres, les choses qui n'ont pas de sens. Voilà le matin, cherche comment tu vas faire l'argent. Cherche comment tu vas faire l'argent. How are you going to make money today? Tu es pauvre, on t'insulte. Beaucoup de couples ont des problèmes parce qu'ils sont pauvres. Tu veux te lancer dans le commerce, tu as prévu de démissionner à la fin du mois. Ok. Si tu démissionnes, j'espère que tu as un peu d'argent de côté pour te tenir pendant deux, trois mois. Si tu as payé la consultation, écris sur le numéro où tu as payé la consultation. Il y a des gens qui payent la consultation et je l'ai consulté après 2 semaines. Et vous, je vous lave au sel. Je te lave au sel, tu crois que tu vas me parler. Je vais te rembourser ton argent. Parce que vous êtes paresseux. Paresseux. J'arrive déjà à lire un peu les gens et je donne des traitements, mais j'ai toujours peur de demander l'argent. Je le fais toujours gratuitement. Comment avoir le courage? Kébi, tu dois tu le fais combien d'heures par jour? Sûrement tu le fais peut-être une ou deux fois par jour, je sais pas, une en passant. Accentue. Tu veux savoir comment parler devant la caméra? Vous me contactez, je crois que j'ai une formation là-dessus. Ceux qui veulent savoir comment faire le bain de sel, allez sur la page. C'est dans les vidéos TikTok. Allez chercher vous-même. Si tu es paresseux, tu ne peux pas te faire de l'argent à ton compte toi-même. Tu commences déjà à le faire pour une, deux personnes, il faut accentuer le nombre de personnes. Propose gratuitement, même au lieu si tu faisais à une personne par jour, propose à 5 personnes. Même si c'est la voyance. Plus tu vois de personnes, plus tu peux savoir que okay, tu apprends à maîtriser ton don, non? Rappelez-vous de la parabole des 10 000 heures. Mets plus d'heures dans ton don. Et à travers un don, tu découvres un autre don. À travers un don, tu découvres l'autre don. Commence par ce qui te passionne. En quoi est-ce que tu veux changer le monde? Tu veux aider qui? Quelle est l'image que tu veux laisser sur la terre avant de mourir? C'est quelque chose qui est dans ton cœur. Parfois, tu peux être passionné, tu veux peut-être enseigner la richesse aux gens. Pour l'instant, tu es encore pauvre. Petit à petit, tu apprends, tu te documentes. Et tu exerces aussi sur les gens. C'est comme ça que ça augmente. Tu as les dons de richesse, mais tu galères. Petit idiot là.
pauvreté est toujours idiote. Bon, j'ai terminé, hein. Je vais vous laisser. Passez une superbe journée. On réveille ses dons avec la pratique. Entraîne-toi encore plus. Entraîne-toi encore plus.